très très important pour les Zimbabwe comme pour l'Algérie sur la pelouse, évidemment compliqué, vous le voyez. Tarare. Allez, il en avance, il en avance. Et un ballon intéressant à jouer pour Andy Delors, le centre d'Andy Delors. Et la défense centrale algérienne. Et puis d'un autre côté, il y a eu cette frappe de Feghouli, là, il y a quelques instants. Le coup franc. Comme on dit, David, c'est même pas tellement sa taille, c'est qu'il est tanké, c'est-à-dire qu'il est, il a un bon équilibre. Dans le football un petit peu déconstruit, c'est très très sérieux, il s'adapte parfaitement à l'adversaire, ils sont bien en place depuis la prise en main de Jamel Belmadi. C'est une équipe mature, Patrice, qui sait gérer les temps forts et les temps faibles, position de hors-jeu peut-être. Alors si on peut comprendre ça de la part du Zimbabwe, ce jeu long, en sautant le milieu de terrain pour essayer d'aller vite chercher leurs deux attaquants, on peut quand même essayer de rater de ce type de geste. Mais on avait l'impression qu'il ne s'y attendait pas, alors que c'était évidemment une combinaison. On s'en souvient, hein, qui s'était fait un petit peu avoir, on les avait trouvés naïfs, vous vous souvenez, David, sur les courses qu'il faut, hein, à cette distance. Allez, les défenses algériennes est très très haute. Et Zinga qui va chercher à l'opposé, c'est très très long. Est-ce que ça va être remis dans l'axe? Oui. Peut-être tout à l'heure d'ailleurs. De pouvoir utiliser un petit peu un relais comme ça, que ce soit par un latéral, comme c'était le cas, et on s'étonnait que Ben Sebaïni pour l'instant n'ait pas été plus productif sur le plan offensif. Mais là c'était Alaïma. Alaïma, vous le soulignez il y a de cela quelques instants. Cinquième sélection pour lui, la deuxième titularisation consécutive, et joueur plus que fiable. Il y aura une vraie concurrence. À la vue de la pelouse, on a l'air de se dire qu'elle est totale catastrophique, mais ça roule pas si mal que ça quand même. Jeu par des passes, des redoublements, des possessions, du jeu technique court. On peut quand même le faire sur cette pelouse. Quel but! C'est ça le job, mais on a eu droit à une petite piqûre de rappel juste avant la pause, un coup franc exceptionnel de Knowledge Musona. J'ai compris que les deux avaient trop le même profil, Boyo et Kadewere. Okay, c'est vrai, il faut marcher un peu dessus. Darikoua, longue touche. Attention, les déviés. Ce ballon dans la surface de réparation, la reprise de la tête, la claquette de Raïs. Rama, anesthésie du ballon, totale. Derrière, il essaye de se resituer, mais il a été. Chiksen aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle on a peu vu aussi. Hein, Riyad Mahrez, alors certes il a marqué, mais voilà, il est un peu plus très crispant pour les fans des Fennecs évidemment, mais également pour les fans du Zimbabwe. Oui, alors est-ce qu'il va vouloir prendre le risque de essayer de contenir et de gérer le match dès la 65e, 67e minute? Ballon récupéré par Darikoua, le contrôle derrière, et pas réussi à mettre au centre ce ballon-là. Tabouka qui allonge. Il ne renie pas ses principes de jeu, Jamel Belmadi, pour l'instant. C'est pour ça que je rentre poste pour poste là. Voilà, je me posais la question en me disant est-ce qu'il va tenter. C'est pas simple de freiner comme ça. Ben Sebaïni qui s'est relevé, on a vu le regard dès l'entrée de Mahachi, on a bien compris qu'il pourrait y avoir supériorité numérique dans ce couloir là. Allez, Ben Sebaïni qui s'arrache, qui va récupérer, qui va pouvoir lancer Brahimi, mais encore une passe un petit peu imprécise. Couverture. Presque tranquille, en tout cas pas de prise de risque du tout de la part de Victor. Ouais, poste pour poste. Ouais, hein. On ne change pas encore une fois dans l'esprit, là, dans la philosophie. Et le Nantais. Le match aller, donc automatiquement, certainement qu'effectivement la physionomie du match peut donner des regrets quand on pense. En plus derrière eux. J'ai pas la sensation qu'il pouvait faire beaucoup plus. On a vu pas mal de joueurs. A été très belle à voir sur cette double confrontation là, Patrice. Il nous reste